deliverance. Vous asseoir. Please be seated. Qu'est-ce qui s'est passé à votre niveau pour la gloire de Jésus? What happened at your level for the glory of Jesus? Il y a une sœur. Pendant que le pasteur commandait aux esprits impurs, aux démons de sortir, une sœur a manifesté. Et c'était un esprit de gorille. Frère, si tu voyais ses doigts, même ses pieds, tout était plié de cette manière. Et les frères l'ont transporté. Nous sommes retrouvés derrière. Quand nous avons commandé à l'esprit de partir au nom de Jésus-Christ, l'esprit de gorille a dit qu'il n'est pas papa. Et que ses parents l'ont adoré et qu'ils l'ont consacré, ils m'ont confié cette petite fille depuis le sein de sa mère. Frère bien-aimé, après insistance, un des nôtres a vu dans une vision, pendant que nous étions en train de prier pour la sœur, un éclair est sorti. La sœur se trouvait dans une forêt et elle était comme une petite fille dans la main de ce gorille. Pendant qu'on insistait, on priait en langue, un éclair quitté du ciel a traversé la forêt, foudroyé le gorille, il est tombé. Le frère disait, dans la vision, la fille a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Elle est devenue une femme et il a vu sortir de la forêt. C'est là que notre sœur, qui était dans notre pain, est revenue en elle-même. Et elle a été délivrée. Alléluia. Des cris de délivrance pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pendant que les esprits se manifestaient, je voulais rectifier parce que nous avons vu quelque chose, frère, derrière. C'était inimaginable. Pendant que les frères de service d'accueil et d'installation ont transporté une sœur, quelque chose est sorti de sa bouche. Quand j'ai bien vérifié, frère bien-aimé, c'était une pierre. Elle a vomi une pierre. Un caillou. Ce sont les gens de cailloux blancs. Quand tu es en train de manger le poisson, la tête du poisson, il y a de ces gens de cailloux, mais c'était gros. C'est ça qui est sorti de sa bouche, la fourmi. Jésus-Christ. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle vient de la région de San Pedro. Elle dit, quand elle était toute petite, sa grand-mère lui avait donné une sauce de couleur noire. Frère, quand les démons se sont manifestés, toujours dans le même style, nous sommes retrouvés derrière. Quand nous avons commandé, c'est la même sauce là qu'elle a vomi, sauce noire. Jésus-Christ. Jesus Christ. Elle a vu de ses deux yeux. Elle dit, je me rappelle maintenant, c'est cette sauce-là que grand-mère m'avait donnée quand j'étais petite, à l'âge de 5 à 6 ans. Celle dont je vous parle peut avoir aujourd'hui 20, 25 à 30 ans aujourd'hui. Sauce de 6 ans, 5 ans. En 2021, elle vomit. Désenvoûté. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Florence est là? Je vais vous présenter une personne qui est venue si folle. Jésus-Christ. Jesus Christ. Est-ce que Jésus a gagné? Jésus-Christ. Tu as assis. Est-ce que Jésus a gagné? Est-ce que sa maman est là, Henriette? La soeur Henriette.
Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Acclamation Jésus-Christ. Voici la maman. Voici sa fille. Quand les deux sœurs sont arrivées sur le site d'Atiekwa, la sœur si ne pouvait pas rester tranquille. Sa mère était obligée d'attraper sa mère comme ça et s'asseoir avec elle sur le siège. Elle ne pouvait pas la laisser. Si tu la laisses, elle va commencer à courir dans tous les sens et repartir là où elle est quittée. Parce qu'elle disait, je veux repartir. Ou bien courir même aller dans le bas-fond. Donc elle était obligée de l'attraper. Frère bien-aimé, quand elle nous a partagé son fardeau, nous avons conduit la sœur à la repentance. On n'a pas tardé, nous avons fait le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Après le brisement des liens, la voici. Offrande d'acclamation. Clap offering. Oh Jésus-Christ. To Jesus Christ. Celle qui était folle, celle qui ne reste pas tranquille, Dieu l'a lavée. Dieu l'a purifiée. Dieu l'a rendue lucide. Dieu l'a transformée. Aujourd'hui, elle peut s'asseoir, écouter l'enseignement, délivrée de la folie. Des cris de délivrance pour le Seigneur Jésus. Jésus. Jesus Christ. Des cris de joie. Dis quelque chose au frère. Donc je remercie le Seigneur pour ma guérison. Jésus Christ. Jesus Christ. Acclamation. Clap offering. Des cris de joie, de victoire. Sounds of joy and victory. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus délivre. Jesus delivers. Jésus libère. Jesus sets free. Jésus pardonne. Jesus forgives. Et Jésus veut te sauver. Jesus wants to save you. Donc tu es là pour la première fois. You are here for the first time. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to Jesus, raise your hand. Qui est là pour la première fois, il veut donner la vie à Jésus. Who is here for the very first time and wants to give his life to Jesus? Viens ici devant. Please come forward. Oui, venez. Yes, come. Avant de continuer, tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Before we move on, you must give your life to Jesus. Oui, venez. Yes, come. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Who wants to give his life to Jesus Christ? Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? You want to give your life to Jesus Christ? Lève-toi et viens. Tu veux abandonner ton péché? You want to abandon your sin? Tu veux abandonner ton péché? You want to forsake your sin? Pour vivre pour Jésus-Christ. To live for Jesus Christ. Pour vivre pour Jésus-Christ. To live for Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. He is the way, the truth and the life. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. He is the way, the truth and the life. Il ressuscite les morts. He raises the dead. Il fait marcher les paralytiques. He makes the lame to walk. Il ouvre les yeux des aveugles. He opens the eyes to the blind. Il ouvre les oreilles des sourds. He opens the ears of the deaf. Il agit aujourd'hui à Atiekwa comme hier en Palestine. He is at work today in Atiekwa as he was yesterday il in Palestine. Pas changé, il n'a pas he changé. He has not changed. He has not changed. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Et ne permet à aucun esprit de te retenir. And do not allow any spirit to hold you back. Quand Jésus t'appelle, when Jesus is calling you, s'il y a des ennemis, if there are enemies, les ennemis de Jésus, enemies of Jesus, qui te disent de ne pas venir, who are telling you not to come, il faut refuser. Just refuse. Au nom de Jésus.
In the name of Jesus. Satan, tu es vaincu. Satan, you overcome. Que les chaînes soient brisées. May chains be broken. Que le ciel s'ouvre. And heaven open. Que la grâce se répande. And may the grace be poured out. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu sais, c'est toi qui as besoin de Jésus. You know, it is you who needs Jesus. Jésus peut avancer sans toi. Jesus can continue without you. Et s'il t'appelle, but if he calls you, c'est parce qu'il t'aime. It's because he loves you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Je t'arrache des mains de Satan. I snatch you from the hands of Satan. Je brise les chaînes. I break your chains. Je détruis l'incrédulité. Destroy unbelief. Lève-toi et viens. Rise up and come. Jésus dit. Jesus says. Qu'il se tient à la porte. That he stands at the door. Et il frappe. And he knocks. Dit, si tu entends sa voix. That if you hear his voice. Ouvre-lui la porte. Open the door to him. La porte là. That door. C'est ton cœur. Is your heart. Je vais arrêter bientôt. We'll stop soon. Si tu dois venir, if you must come, fais-le maintenant. Do it right away. Si tu es un rétrograde, if you are a backslider, tu étais avec Christ, you used to walk with Christ, et tu es tombé, and you fell, et les démons sont en fête, and the demons are feasting. Reviens. Come back. Reviens. Come back. Oui, acclamation à Jésus-Christ. Que tous les rétrogrades reviennent. Let all sliders come back. Y a-t-il encore quelqu'un? Is there still anyone? Reviens, enfant. Come back, child. Il est écrit dans Michée. It's written in Micah. Mon ennemi. My enemy. Ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about me. Si je suis tombé. If I've fallen. Je vais me relever. I will rise up again. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm seated in darkness, l'Éternel va m'éclairer. The Lord will enlighten me. Ne permets pas aux démons de se réjouir. Do not let demons rejoice. Quand tu tombes, when you fall, tu dis Satan, you say Satan, tu n'auras pas de fête à cause de moi. You will not feast because of me. Et tu te lèves. And you rise up. Tu viens te réconcilier rapidement avec ton père. You come back and reconcile yourself quickly with your father. Lève-toi et viens. Please stand up and come. Quand tu rétrogrades, when you backslide, ta justice est annulée. Your righteousness is cancelled. Si le juste pêche, he says if the righteous man sins, sa justice est annulée. His righteousness is cancelled. Donc tu dois revenir. So you must come back. Lève tes mains. Raise your hands. Tu vas demander pardon à Dieu. You're going to ask God to forgive you. Et l'église va prier pour toi. And the church will pray for you. Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te demande pardon. I ask you to forgive me. Je reconnais que je suis un pécheur. I acknowledge that I am a sinner. Par mes paroles. By my words. Par mes pensées. By my thoughts. Par mes actions. And by my actions. Pardonne-moi. Forgive me. Je décide de changer. I decide to change. Je décide de changer. I decide to change. Lave-moi dans ton sang.
Wash me in your blood. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis j'accepte. Say I accept. Qu'on me sépare de la sorcellerie. To be separated from witchcraft. De la famille de mon père. Of my father's family. Et de la famille de ma mère. And of my mother's family. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de toute malédiction. To be separated from every curse. De la famille de mon père. Of my father's family. De la famille de ma mère. And my mother's family. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Tends ta main et bénissons-les. Stretch your hand and let's bless them. Que tous les plans de Dieu. Or that all of God's plans. Tous les desseins de Dieu. And that all of God's purposes. S'accomplissent sur leur vie. Will be accomplished in their lives. Le but pour lequel Dieu les appelle. The goal for which God calls them. Que ce but soit accompli. That this goal should be accomplished. Et pendant qu'on prie pour toi. And while we are praying for you. Dis à Jésus. Tell Jesus. Je suis là. Here am I. Je vais t'obéir. I will obey you. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Exauce. Answer. Prions ensemble. Let's pray together. Oh, Rakabakashara. Amen. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard. For those who came late. Alors si tu n'es arrivé qu'aujourd'hui. Or if you arrived only today. Tu vas écrire sur une feuille 10 choses que tu dois demander, que tu vas demander à Dieu. You're going to write in your in a book or a piece of paper 10 things that you are going to ask from the Lord. Ça peut être tes besoins personnels. They could be your personal needs. Ou les besoins d'une autre personne. Or the needs of another person. Tu dois demander par la foi et tu dois recevoir par la foi. You must ask by faith and you must receive by faith. C'est-à-dire, tu demandes d'abord. En demandant, tu crois que Dieu veut le faire pour toi. The first thing is that you should ask, and while asking, you believe that God wants to do them for you. Je ne dis pas si Dieu peut le faire. I'm not saying that God can do it. Beaucoup de personnes, many people, savent que Dieu existe et qu'il est capable. Know that God exists and that He's able. Mais ce qui est rare. What is rare, c'est de trouver des gens, is to find people qui croient que Dieu veut faire ces choses pour eux, who believe that God can do that thing for them. Tu es malade. You're sick. Est-ce que Dieu veut que tu sois guéri? Does God want you to be healed? C'est ça la question. That is the question. Ce n'est pas est-ce que Dieu peut te guérir. It's not whether God can heal you. Tu dois croire. You must believe. Que Dieu désire, Dieu veut le faire. That God desires and He wants to do it. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. He says, call on me on the day of trouble. Je te délivrerai et tu me glorifieras. And I'll deliver you and you will glorify me. Donc il veut le faire. So He wants to do it. Donc ne cherche plus si c'est sa volonté. Il veut le faire. So don't even seek whether it's His will. He wants to do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? 10 choses. 10 things. Comme un enfant devant son père. Like a child before his father. Et lis pour nous Hébreux chapitre 2 verset 17 à 18. Read for us Hebrews chapter 2 verse 17 to 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Jésus est devenu semblable à nous. Jesus became like us. Il a expérimenté les douleurs des hommes sur la terre. Experienced the pain of men on earth. Il a fait face au phénomène de la tentation. He faced the phenomena of temptation. Hallelujah. Hallelujah.
Il l'a fait pour qu'il soit capable de nous aider. He did this to be able to help us. Parce qu'il fallait quelqu'un qui pouvait s'identifier aux hommes, mourir pour eux. Because someone was needed who could identify to men to die for them. Donc par sa mort expiatoire, so by his atoning death, il a acquis le titre, he acquired the title, par lequel il peut nous venir en aide, by which he can come to our aid. Lis Hébreux 4 verset 14 à 16. Read Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. La parole de Dieu dit, the word says, que Jésus est capable, that Jesus is able, de compatir à nos faiblesses, to identify with our weakness, de comprendre notre situation, to understand our situation, de ressentir ce que nous ressentons. To feel what we feel. Il est un souverain sacrificateur qui a rempli les conditions pour se présenter devant Dieu avec nos noms écrits sur lui. He is the high priest who fulfilled all the conditions to stand before God with our names written on him. Par lui, by him, nous pouvons nous approcher de Dieu. We can draw near to God. Un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. A high priest able to identify with our weaknesses. Et la parole dit, and the word says, cela nous permet de nous approcher de lui avec assurance. That allows us to draw near to him with assurance. Dans la plénitude de la foi, with the fullness of faith, sans douter, without doubting, tu t'approches de lui. You draw near to him. Tu t'approches de lui, draw near to him, pour lui poser ton problème. To lay your problems. Tu ne crains rien. You fear nothing parce anymore. Que tu ne seras pas jugé. Because you will no longer be judged. Le jugement qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. The judgment that had to fall on you fell upon him. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement of our peace fell upon him. Maintenant par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Now by his stripes we are healed. Est-ce que tu crois à cela? Do you believe in that? Approchons-nous donc de lui. Let us therefore approchons-nous du trône de la grâce. Let us draw near to the throne of grace. Dans la plénitude de la foi. With the fullness of faith. Afin d'obtenir miséricorde. In order to obtain mercy. Et trouver grâce à ses yeux. And find grace in his sight. Et afin d'être secouru dans nos besoins. To be helped in our needs. Tu dis, Seigneur, you say, Lord, je ne mérite pas. I don't deserve it. Je m'approche de toi. I draw near to you. Au nom de ton fils Jésus. In the name of your son Jesus. Au nom de ton fils Jésus. In the name of your son Jesus. Tu vas entendre le Père te dire, viens. And you hear the Father tell you, viens. Come. Viens. Come. Et quand il te dit ça, and when he tells you that, ça veut dire que tu as trouvé grâce. Means that you found grace. Et après, il te demande, tu veux quoi? And then he asks you, what do you need? Tu lui dis ton mal. Then you tell him your pain. Tu lui dis ton besoin. You tell him your need. Chacun selon ses préoccupations. Each one according to his preoccupation. Parfois, nous sautons les étapes. Sometimes we skip the steps. Nous commençons, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'argent. We begin by, oh God, give me money. Ce n'est pas comme ça. That's not it. C'est, oh Père. It's, oh Father. Ta miséricorde. Your mercy. Ta miséricorde. Your mercy. Pourquoi?
Why? Parce que je ne mérite. Because I don't deserve it. Je suis même sale. I'm even dirty. Ici, ne dis pas je me suis repenti et tu m'abandonnes. Ta repentance n'enlève. La Bible dit que toute notre justice est à ses yeux comme un vêtement souillé. Do not say I've repented and you abandon me. That's your repentance. The Bible says that our righteousness are like filthy rags before him. Quand tu t'es bien lavé, when you've washed yourself so well, et que tout est blanc, and everything is white, comme la neige, like snow, quand il jette un coup d'œil, when he looks at you, il voit la souillure, he sees filth. Il est saint, saint, saint trois fois. He's holy, holy, holy three times. Pas parce que trois est beaucoup, parce que trois est le chiffre de la perfection. Not because three is much, but three is the number of perfection. Si c'est pour compter, on va dire il est saint à l'infini. If we have to count, we'll say he is infinitely holy. Hébreux chapitre 10, verset du verset 19 au verset 22. Hebrews chapter 10, verse 19 to 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Jésus-Christ, Jesus Christ, a inauguré une route nouvelle et vivante. Launched a new and living way. Au travers de sa propre chair, quand on a percé, le sang est sorti. Through his own flesh, when he was pierced, blood oozed out. La route était déjà frayée. The way was already paved. Cette route là, that road, c'est elle qui conduit à la miséricorde et la grâce de Dieu. Is that which leads to the mercy and the grace of God? Pose tes petits pieds sur chaque goutte de sang et entre dans le parvis. Lay your little feet. Entre dans le sanctuaire. Lay your little feet on every drop of blood and enter into the sanctuary. Directement dans la présence de Dieu. Directly into God's presence. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus. That is the power of the blood of Jesus. Il a inauguré une route nouvelle et vivante. He inaugurated a new and living way. Hallelujah. Hallelujah. Une route vivante. A living way. Une route qui parle, une route qui appelle, qui dit viens mon fils, viens mon fils. A road that speaks, that says come, come my son, come my son. Une route couverte de sang. A road that is paved with the blood. C'est ça la route vivante. That is the living way. Alléluia. Hallelujah. Tu vas te tenir debout. You are going to stand. Relis le verset 22. Read verse 22 once again. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Tu es pur. You're pure. Pas par ta vertu, par la vertu du sang de Jésus. Not by your virtue, but by the virtue of the blood of Jesus. Ne t'accuse, si tu t'accuses, tu as perdu. Do not accuse yourself. If you accuse yourself, you have lost. Mais si tu n'as pas Jésus, que tu vis dans le péché, tu te lèves, tu viens devant ici. But if you are not in Jesus and you live in sin, rise up and come here. Mais si tu es un frère, but if you are a brother, qui a donné sa vie à Jésus, who has given his life to Jesus, qui ne s'amuse pas, who is not joking, qui ne joue pas avec le péché, who is not playing with sin, le sang de Jésus est sur toi. The blood of Jesus is upon you. Ton passé, your past, est invisible. Is invisible. Devant Dieu, before God, c'est la faveur et la grâce. It's favor and grace. Ton présent, your present, dans le sang de Jésus. It's in the blood of Jesus. Tant que ta foi, c'est pour ça qu'on dit dans la plénitude de la foi. That's why it is said in the fullness of faith. Si tu es rétrograde, if you are a backslider, tu viens devant. You should come forward. Sinon,
If not, sois libre devant Dieu. Be free before God. Ne sois pas coupable. Do not feel guilty. Il faut que ton cœur entende une seule chose, tes propres cris vers Dieu. Your heart should hear just one thing, your own cries to God. La plénitude de la grâce. The fullness of grace. Prions ensemble. Let's pray together. Pose tes problèmes à Dieu. Lay your problems before God. Demandez des choses à Dieu. We are asking for things from God. Si tu es venu pour la guérison, dis à Jésus, guéris-moi. Et tu crois, votre histoire va changer. If you came for healing, ask God to heal you and your story will change. C'est maintenant qu'on saisit Dieu. This is the moment where we lay hold of God. Si pendant qu'on prie, tu t'amuses. If while we are praying, you joke. Et tu dis, je veux voir le pasteur après. And then you say, I'll see the pastor later. Tu as déjà raté. You have missed out. C'est maintenant que Dieu donne des ordres à ses armées. It is right now that God is giving commands, orders to his army. Au fur et à mesure que tu lui poses tes problèmes. As we move on, as you lay your problems before him. Que tu lui dis, oh Père. And you say, oh Father. Pas par mes mérites. Not by my merit. Pas par mes mérites. Not by my merit. Mais par le sang. But by the blood. Par le sang. By the blood. Par la croix. By the cross. Par Jésus-Christ. Of Jesus Christ. Par Jésus-Christ. By Jesus Christ. Par le médiateur éternel. By the eternal mediator. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Je suis là. I am here. I'm here. C'est maintenant. It is right now. Que tu peux décrocher l'exaucement. That you can snatch your answers. Que Dieu peut donner des ordres. That God can give orders. Même s'il faut des légions d'anges. Even if we need legions of angels. Ordonner. Commanded. Que cette légion aille. That this legion should go. À ce lieu précis. To this precise place. Où se trouve une forteresse contre toi. Where a stronghold is found against you. Et la forteresse sera démolie. And that stronghold will be demolished. Elle sera démolie. It will be demolished. Elle sera brisée. It will be broken. Elle sera anéantie. It will be brought to naught. Et tu vivras. And you will live. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Et tu vivras. You will live. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, please. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis, oh Père, exauce-nous. Say, oh Father, answer us. Dis, oh Père, exauce-nous. Say, oh Father, answer us. Oh Père, exauce-nous. Oh Father, answer us. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père. Say, oh Father. Tu es le seul qui peut me délivrer. You are the only one who can deliver me. Tu es le seul qui peut me délivrer. You are the only one who can deliver me. Continue à prier pour toi. Continue to pray for yourself. Dieu Père. Say, oh Father. Si tu ordonnes, if you command, la chose sera exécutée. It will be executed. Donne des ordres. Give orders. À notre sujet. About us. Prions en langue. Let's pray in tongues. Si tu n'as pas encore reçu le parler en langue, lève ta main. If you don't yet speak in tongues, raise your hand. La parole de Dieu dit. The word of God says. Ouvre la bouche que l'Éternel la remplisse. Open your mouth and let the Lord fill it. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu a déjà données. These are things that the Spirit of God has already given. Tu dois avoir la foi. You must have faith. Pour ouvrir la bouche. Open your mouth et parler pour la première fois une langue que tu n'as jamais parlé. And speak a language that you've never spoken for the very first time. Parce qu'il faut que tout le monde prie en langue. Because everyone needs to speak in tongues. Maintenant, lève tes mains, dis Seigneur, donne-moi de nouvelles langues. Raise your hands and say, Lord, give me new tongues. Si tu parles en langue, tu dis Seigneur, renouvelle-moi. If you already speak in tongues, say, Lord, renew me. Si tu n'as jamais interprété, dis Seigneur, je vais interpréter les langues. If you've never interpreted
Tell him, Lord, I want you to speak. Maintenant, au nom de Jésus, reçois et parle. Au nom de Jésus, receive and speak. Parle maintenant. Speak now. Parle à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit. Speak now. Shurga baga. Dieu Père, combat pour nous dans les lieux célestes. Fight for us in heavenly places. Oh Père. Oh Father. Combat pour nous dans les eaux. Fight for us in the waters. Père. Father. Combat pour nous sous les eaux. Fight for us under the waters. Et dans les lieux plus bas que les eaux. And in places below. Oh, combat pour nous sur la terre. Oh Father, fight for us. Combat pour nous sous la terre. Fight for us under the earth. Combat pour nous dans le séjour des morts. Fight for us in Hades. Combat pour nous dans le séjour des morts. Fight for us in Hades. Combat pour nous dans les abîmes, Combat pour nous dans les lieux arides. Fight for us in the dry lands. Combat pour nous dans les lieux arides. Fight for us in the dry lands. Oh, combat pour nous dans les montagnes. Fight for us on the mountains. Combat pour nous dans les collines. Fight for us on hills. Combat pour nous dans les forêts sacrées. Fight for us in sacred forests. Combat pour nous. Fight for us. Partout. Wherever. Où puisse exister. Where? Une force démoniaque contre nous. A demonic power exists against us. Exerce ton pouvoir. Exercise your authority. Écrase l'adversaire. By crushing the adversary. Libère ton peuple. Release your people. Oh Père. Oh Father. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que tu glorifies le malheureux en le sauvant. That you glorify the unhappy by oh, saving Père. Him. Oh Father. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que tu glorifies le malheureux en le sauvant. That you glorify the unhappy by saving. Sauve ton peuple. Save your people. Sauve-le de l'oppression. Save them from oppression. Sauve-le des attaques des hommes méchants. Save them from the attacks of wicked men. Sauve des attaques des hommes pervers. Save them from the attacks of perverse men. Sauve-le des attaques des incrédules. Save them from the attacks of the unbelieving. Sauve-le des attaques des chefs religieux. Save them from the attack of religious heads. Sauve-le. Save them. Sauve-le des sorciers et des sorcières. Save them from witches and wizards. Sauve-le de ceux qui pratiquent l'occultisme. Save them from those who practice occultism. Sauve ton peuple de toute forme de complot. Save your people from every sort of plot. Soumets ses ennemis sous leurs pieds. And bring their enemies under their feet. Soumets ses ennemis sous leurs pieds. Submit their enemies under their feet. Sauve ton peuple. Save your people. Donne des ordres à son sujet. Give orders in their favor. Pour ton peuple. For your people. Envoie l'ennemi contre Babylone. Send the enemies against Babylon. Pour ton peuple. For your people. Envoie l'ennemi contre Babylone. Send the enemy against Babylon. Prions, continuons à prier. Let's continue to pray. Continue à prier que Dieu descende continue dans ta situation. Continue to pray. Dieu au Père. Dieu au Father. Entre dans mon combat. Get into my battle. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Entre. Enter. Comme tu es entré dans le combat de David contre Goliath. As you enter into David's battle against Goliath. Dieu Père. Say Father. Entre. Enter. Comme tu es entré dans le combat de David contre Goliath. As you got into the battle of David against Goliath. Prions ensemble. Let's pray together. Prions en langue. Let's pray in tongues. Prions en langue. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. You can get seated. Tu continues la prière. And continue praying. Tu écoutes ce que le Seigneur te dit. And you listen to what the Lord will tell you. Et tu écoutes ce que le Saint-Esprit fait en toi. And listen to what the Holy Spirit is doing in you. Si tu sens les soupirs. If you feel a groaning. Si tu sens des languissements. If you feel yearnings. Tu continues la prière. You continue praying. La parole dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. The word of God tells us that we don't know what we need to ask. C'est le Saint-Esprit qui prie pour nous. But the Holy Spirit prays for us. Par des soupirs inexprimables. With groanings that we cannot explain. Si tu sens if you feel qu'il pleure en toi, that is crying in you, tu continues la prière. You continue praying. Commence à dire merci à Jésus. Start saying thank you to Jesus. Crois à sa fidélité.
Believe in his faithfulness. Crois sa fidélité. Believe in his faithfulness. Si quelqu'un a eu une vision claire, if someone had a clear vision, qu'il vienne donner, qu'il vienne dire. Let him come and say it. Gloire à Dieu. Quand on priait tout à l'heure et demandait au Seigneur qu'il intervienne, et il me faisait comprendre comme ça, ouvrait mes yeux pour que je puisse comprendre. Il dit, je vous exauce, je vous exauce. Vos prières sont montées à moi. Plaidez, ne vous inquiétez pas, je vous exauce, je vous exauce. Gloire à Dieu. Le Seigneur a dit comme cela qu'il nous donnera un nom nouveau, que nous force, il nous fera porter sa couronne de gloire à chacun. Non, oui, vas-y. Acclamation. Gloire à Dieu. J'ai reçu de la part du Seigneur, je suis au milieu de mon peuple. Je suis au milieu de mon peuple. Je suis au milieu de mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Et la vision que j'ai eue, c'est celle-ci. Et il faut dire que mon mari, il aime aligner les chaises. Donc, je l'ai vu dans une de ses tenues en train d'aligner les chaises. Un coup, un homme est quitté de l'autre côté, très furieux. Il allait contre lui. Le Seigneur me faisait comprendre que, bon, en fait, il a fait 13 ans dans Christianie Céleste. Donc, après qu'il eut donné sa vie à Jésus, il est très passif concernant les choses de Dieu. Et un jour, je priais et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu deux hommes et ces hommes disaient, retenons-le, oignons-le pour qu'il nous serve davantage. Et ce sont les gens de Christianie Céleste. Donc, le Seigneur me faisait comprendre que il a délivré des mains de ceux qui le retenaient. Acclamation. Donc, voilà la vision que j'ai eue. Et suivant. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Dis-lui de chercher à faire le brisement des liens. Oui. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, et puis on disait, le pasteur disait que Dieu nous exauce. Il y avait aussi une vision dans laquelle c'est comme si on était dans une grande pièce. Et il y avait une lumière qui nous éclairait. Et dans cette lumière-là, il y avait des bénédictions qui descendaient. Et Dieu nous disait, je vous ai exaucé, je vous ai exaucé, je vous ai exaucé. Amen. Maintenant, prends 5 minutes pour prier pour quelqu'un qui n'est pas ici. Now take 5 minutes to pray for someone who is not here. Même si c'est un ennemi, même si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, parce que tu n'as pas d'ennemi. Even if it's someone who doesn't love you because you don't have enemies. Si la personne souhaite que tu tombes, que tu meurs. Even if the person wishes that he should fall and die. Bénis cette personne. Bless that person. Si la personne veut que tu deviennes pauvre, bénis la personne. If the person, the person wishes that you should become poor, bless the person for him to become rich. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bless those who curse you. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pray for those who persecute you. Si tu fais sincèrement cette prière, if you sincerely pray, ça ouvre les portes pour une autre délivrance. It opens the doors for another deliverance. N'est-ce pas, je vous ai dit. I told you. Si tu fais sincèrement cette prière, if you pray sincerely, ça ouvre les portes pour un autre degré de délivrance. It opens the doors for another level of deliverance. Il y a des démons qui se nourrissent de la haine. There are demons that feed on hatred. Dès que tu apportes l'amour et le pardon, ils sont vaincus. As soon as you bring love and forgiveness, they are overcome. Ils sont en train d'être vaincus. They are being overcome right now. Ce sur quoi ils s'appuyaient est en train de s'écrouler. That on which they stood is being overthrown. It's crumbling. Thank
Il faut pardonner même si ça te fait mal au cœur. You should forgive even if it pains your heart. Maintenant, tu fais une prière de consécration à Dieu. Now you should make a prayer of consecration to God. Tu te donnes à Dieu. Give yourself to God. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. Dis à Jésus, je suis sur ton autel. Tell Jesus, I am on your altar. Que ton feu, let your fire, me consume. Consume me. Tu fais bien cette prière. If you pray well, si un démon est caché, il va partir. If a demon is hidden, it will go out. Si tu fais bien cette prière, if you pray well, les forteresses seront démolies. Strongholds will be demolished. Si tu fais bien cette prière, if you pray well, la main de Satan va se retirer. The hand of Satan will withdraw. Si tu fais bien cette prière, if you pray well, le feu va descendre sur toi. Fire will come upon you. Le feu de Dieu, God's fire, pour ta sanctification. For your sanctification. Maintenant, tu te calmes. Now, tu restes calme devant Dieu. Be quiet before the Lord. Mais le démon, lui, ne reste pas tranquille. A demon must not remain quiet. Lui doit partir. He must go. Va-t'en. Be gone. Va-t'en donc, tu ne reviens plus. Be gone and not never come back. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Depart, depart, depart. Va-t'en, vite, vite, vite. Depart quickly. Libère. Release. Je brise toute résistance. I break every resistance. Même si on te l'a vendu. Even if the person was so. Laisse-la. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tout est annulé. Everything is cancelled. Tout complot est annulé. Everything is cancelled. Tout complot est annulé. Every plot is cancelled. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus a versé son sang à la croix. Jesus shed his blood on the cross. Pour libérer les captifs. To set captives free. Jésus a versé le sang pour libérer les captifs. To set captives free. Va-t'en, vite, 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 vite. Be gone quickly, quickly. Oh, rakabaka sharabaka sharabaka. Kurobaka sharabaka. Va-t'en, vite. Be gone quickly. Sors et va-t'en, out and be gone. Sors et va-t'en, out and be gone, out and be gone. Kura kabaga sharga bagala kabaga shurga baga, kura kabaga shurga bagala kabaga shurga bagala kabaga shurga. Sors et va-t'en, out and be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Avec toute maladie. With every sickness. Avec toutes les infirmités. With every infirmity. Avec toutes les maladies. With every sickness. Avec toutes les infirmités. With all infirmities. Kura baka sharga baka laka sharga baka laka sharga baka. Kura baka sharga baka sharga laka baka sharga baka. Kura baka sharga laka baka sharga baka. Kura baka sharga laka baka.
Je brise, je renverse tout. I break and overthrow all. Va-t'en, vite. Go on quickly. Sors et va-t'en. Out and be gone. Ori kabaka shara kabaka laka shara kabaka laka shara kabaka laka. Ori kabaka shara kabaka laka shara kabaka. Tout esprit qui s'opposait à la consécration. Every spirit that opposed consecration. Si ton travail, if your work, était d'empêcher la consécration, was to impede consecration. Tu es jugé. You're tossed. Tu es jugé. You're tossed. Va-t'en maintenant. Be gone right now. Tout esprit, every spirit, qui avait pour but, whose goal was, de freiner la consécration, to break down consecration, d'attruire les cœurs. To harden hearts. Tu es jugé. Va-t'en. Be gone. Et les enfants se consacrent à leur père. And children be consecrated les to their father. Se consacrent à leur père. Children consecrate themselves les to their father. Se consacrent à leur père. Children consecrate themselves. Toi, va-t'en. You will be gone. Toi, va-t'en. You will be gone. Les enfants se consacrent à leur père. Children consecrate themselves to their father. Se consacrent à leur père. Children consecrate themselves to their father. Les enfants se consacrent à leur père. Children consecrate themselves to their father. Les enfants se consacrent à leur père. Children consecrate themselves to their father. Toi qui es venu. You who came. Pour rendre incrédule. To bring unbelief. Pour fermer l'esprit. To close spirits. Pour que la personne ne comprenne rien, ne voit rien, ne comprenne rien, ne voit rien. So that a person should see nothing and understand nothing. See nothing, incrédule, understand nothing. Incrédule à cause de toi. The person is unbelieving. Va-t'en maintenant. Out now. Sors. Out. Va dans le désert. And go into the desert. Va dans le désert. Be gone into the desert. C'était caché. Even if this spirit was hidden. Même s'il a des renforts. Even if it has reinforcement, tous, all, s'en vont, will go, et tu vas rester libre, and you will remain free. Même s'il y a les renforts, even if there are reinforcements, nous les dispersons, we scatter them, au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ. Même si c'est une coalition, even if it's a coalition, même si se sont entendus, even if they agreed, qu'ils vont s'apporter le secours. That they will assist each other. Nous brisons ce secours. We break this help. Le Seigneur travaille. The Lord is at work. Oh Père, merci parce que tu travailles. Oh Lord, thank you because you are at work. Libérer les captifs. To set captives free. Libérer les captifs. To set captives free. Pour libérer les captifs. To set captives free. Merci pour ton travail. Thank you for your work. Pour libérer les captifs. To set captives free. Pour libérer les captifs. To set captives free. Pour rendre libres les opprimés. To set the oppressed free. Pour rendre libres les opprimés. To make the oppressed free. Pour rendre libres les opprimés. To make the oppressed free. Pour rendre libres les opprimés. To make the oppressed free. Je proclame la liberté. I proclaim freedom. De toute personne qui a été envoûtée. For everyone who has been bewitched. Toute personne dont l'âme a été enfermée quelque part. Everyone whose soul has been closed up somewhere. Toute personne dont l'âme a été enfermée quelque part. Each one whose soul has been closed up somewhere. Va-t'en. Be gone. Toute personne. Every person. Dont l'âme a été enfermée quelque part. Whose soul has been closed up somewhere. Sors et va-t'en. Out and nous be gone. Brisons la prison. We break the prison. Nous cassons la prison. We knock down the prison. Nous cassons la prison. We break 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 the prison. Nous cassons la prison. Nous cassons la prison. We break the prison. We break the prison. Nous cassons la prison. We break the prison. Tu sors et tu ne reviens plus. You go out and you don't come back. Go rabakashara. Toute personne, every person, qui a été envoûtée, who was bewitched, par un homme ou par une femme, by a man or a woman. Toute personne, every person, qui a été envoûtée, who was bewitched, nous brisons. We break. Nous brisons la prison. We break the prison. Nous cassons. And we set you free. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. S'il y a une personne, there's anybody,
poursuivi par un mari de nuit. Pursued by a spiritual husband. Une femme ou un homme. A lady or a man. Poursuivi par une femme de nuit ou un homme, un mari de nuit. Pursued by a spiritual husband or a spiritual wife. Je déclare ta liberté. I declare your freedom. Je déclare ta liberté. I declare your freedom. Je déclare que tu es libre. I declare that you're free. Je déclare qu'il n'y a pas de mariage. I declare that there's no marriage. Je déclare que ce mariage est annulé. I declare that this marriage is canceled. Je déclare qu'il est contre la volonté de Dieu. I declare that it's against the will of God. Je déclare que tu dois partir. That you must go. Va-t'en. Be gone. Va-t'en, vite, 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 vite. Be gone quickly. Ne perds pas le temps à ramasser ce qui ne t'appartient pas. Va-t'en maintenant. Don't waste time to gather that which does not belong to you. Out now. Et nous-mêmes, nous ramassons ce qui t'appartient. Nous collons ça sur toi. Va-t'en maintenant. We take everything that belongs to you and we put it on you. Tu ne vas pas rester. You will not stay back. Tu ne peux pas rester. You cannot stay back. Tu ne peux pas rester. You cannot stay back. Parce qu'il n'y a plus de part avec toi. Because there's no part with you. Le sang de Jésus a payé toutes les dettes. The blood of Jesus paid every debt. Les dettes contractées par nos péchés. The debts that were contracted by our sins. Et ce corps, this body, que tu veux tourmenter, that you want to torment, ne t'appartient pas. Doesn't belong to you. Jésus l'a acquis à la croix. Jesus purchased it on the cross. Jésus est mort. Jesus died pour faire de ce corps son temple. To make of this body his temple. Son temple. His temple. Que tu sois dans la vie ou dans le corps, sors et va-t'en. Whether you be in the body or in the life, out and be gone. Sors. Out. Et va-t'en. And be gone. Même si tu viens d'un autre pays. Even if you come from another nation. Tu es frappé là où tu te trouves. Will strike you wherever you are found. Et tu ne voyageras plus pour occuper ce corps. And you will no longer travel to occupy this body. S'il y a dans cette foule, if there is in this crowd, ou quelque part où quelqu'un écoute en ligne, or anywhere where someone is listening online, si quelqu'un est possédé par un esprit venant de l'Orient, if someone is possessed by a spirit coming from the East, tu es jugé, you're judged. Rentre, va chez tes maîtres, go to your masters. Tout esprit. Every spirit venant de la magie orientale, coming from Eastern magic, des pratiques de méditation transcendantale, le yoga et consort, va-t'en. Coming from transcendental meditation, yoga and the rest, be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Si tu es un démon, if you are a demon, qui est venu par la pratique de l'excision, you came by the practice of incision. Va-t'en. Be gone. Va-t'en vite. Be gone quickly. Nous cassons les forteresses. We break the strongholds. Nous brisons les forteresses. We break the strongholds. Nous brisons les forteresses. We break the strongholds. Nous disloquons le royaume de l'ennemi. We dislocate the kingdom of the enemy. Que tous genoux fléchissent. Let every knee bow. Que toute langue confesse. Let every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Que chacun lève la main droite. Let everyone raise his right hand. D'un commun accord. Saying one accord. Nous mettons fin. We put an end. À tout règne démoniaque. To every demonic reign. Dans la vie des enfants de Dieu. In the lives of children of God. D'un commun accord. Saying one accord. Nous proclamons. We proclaim. Que tous les démons doivent partir. That all the demons must go. Tous, tous, tous. All, all. Partez, partez, partez. Be gone, be gone, be gone. Brise de toute influence sur les enfants. We break your influence upon the children. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tout esprit. Let
and every spirit qui habite un enfant, that dwells in any child qui s'est caché, that is hidden, il s'en aille, let it go, nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ. S'il y a quelqu'un, if there is someone, un homme ou une femme, a man or a woman, que ses collègues ont envoûté, whose colleagues bewitched, par jalousie, by jealousy, par jalousie professionnelle, by professional jealousy, et on a sali ta figure, on a sali ton nom, and your image was soiled and your name was soiled. Personne ne pense plus à toi. Nobody thinks about you anymore. Les promesses de promotion oubliées. Promotion promises have been forgotten. Je brise cet envoûtement. We break that bewitchment. Je libère ta vie de l'opprobre. I will release your life from shame. Je libère ta vie. Release your life. Je libère ta vie. Release your life. J'enlève sur toi la honte. We take away from you the shame. Je lave les déchets qu'on a jetés sur toi. We wash off all the filth that was put upon you. Je libère ta promotion. Release your promotion. Si tu fais le commerce, je libère ton commerce. If you are doing business, we release your business. Je libère tout ce qu'on voulait voler. Release everything that had to be stolen. Je proclame, I proclaim, que tu verras la gloire de Dieu. That you see the glory of God. Je proclame, I proclaim, que tu verras la gloire de Dieu. That you see the glory je proclame, of God. Je proclame, I proclaim, I proclaim, je proclame, I proclaim, je proclame, I proclaim, je proclame, I proclaim, que tu verras la gloire de Dieu. That you see que the glory of God. That you see the glory of God. Si un démon d'orgueil t'habite. If a demon of pride dwells in you, que tu fais tous les efforts, and that you carry out every effort, simple et humble, to be simple and humble, sans succès, unsuccessfully, parce que un maître malsain habite dans ton cœur, because an evil master dwells in your heart, démon d'orgueil, va-t'en vite, demon of pride, out quickly. Sors et va-t'en vite, vite, vite. Out and be gone quickly, quickly. Si tu es poursuivi par un esprit de suicide, if you are being pursued by a spirit of suicide, chaque jour, every day, il te dit, it tells you, jette-toi dans le feu, jette-toi dans l'eau, jette-toi dans, sur la route. Throw yourself in the fire. Throw yourself meurs, in water. Meurs. Throw yourself on the road. Die, die. Je le frappe de mutisme. I strike him with deafness. J'ordonne qu'il s'en aille. I command him to go. Que ton âme vive en paix. Lord Jesus Christ. Que ton âme vive en paix. May your soul live in peace. Que ton âme vive en paix. May your soul live in peace. Si tu es un esprit. If you are a spirit. Un démon, a demon de célibat, of celibacy, envoyé, sent, ou bien on est venu te chercher, or you were sought for. Si tu es là, if you are there, pour entretenir le célibat, to keep people in celibacy, va-t'en, out, be gone. Tout esprit dans la vie d'un homme ou d'une femme. Every spirit in a man or a woman. Pour imposer le célibat. To impose celibacy. Va-t'en. Out. Et je libère le mariage de cette femme. I release the marriages of such people. Les autres doivent faire la même chose. Ils doivent partir.
Did it. You must go quickly. Partez. Go. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tout démon. Every demon. Qui entretient le célibat. Who is there to keep people in celibacy. Dans une vie. In a life. Tu es foudroyé. You are shattered. Tu es jugé. You are just. Va-t'en vite. Out quickly. Va-t'en, 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 va-t'en. Out, out. Je l'arrache de tes mains. Je l'arrache de tes mains. I snatch it from his hand. I snatch it from his hand. Je te dépouille de tout. I strip you of all. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Tu as donné ta vie à la croix. You gave your life on the cross. Tu as versé le sang. You shed your blood. Tu as versé le sang. You shed your blood. Tu as versé le sang. You shed your blood. Tu as libéré les captifs. You set the captives free. Tu as libéré les captifs. You set captives free. Tu as libéré les captifs. You set the captives free. S'il y a un homme, if there is a man, qui est suivi par les démons d'homosexualité, who is pursued by demons of homosexuality. Tu es libre. You are set free. Et démons, va-t'en vite. And demons, go out quickly. Va-t'en vite. Out quickly. Commence à dire merci à Jésus. Start saying thank you to Jesus. Demandons à Dieu. Let's ask God. Que s'il y a un démon. That if there's one demon. Qui a juste bougé un peu. That just shook a little. Et qui attend l'heure de la fin. And who is waiting for the end. Que la colère de Dieu descende sur lui. That the anger of God should fall upon him. Qu'il parte maintenant même. That he should go right away. Père, pas de dissimulation. No dissimulation. Pas de résistance. No resistance. Pas de résistance. No resistance. Toi qui veux résister. You want to resist. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone, be gone. Si tu es entré par le cordon, les pratiques sur le cordon ombilical. If you got in through practices on the umbilical cord. Va-t'en maintenant. Out right now. Si tu es entré par la pratique, la danse des masques. If you got in through masques, the dance, les masques. Masks, masks, masks. Va-t'en vite. Out quickly. Tout démon. Every demon. Qui a suivi quelqu'un. We followed someone. À cause des masques qu'on adore. Because of masks that are worshipped. Va maintenant. Out now. Va, 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 va. Out. Tout démon. Every demon. Qui a suivi quelqu'un. Which followed someone. Parce que ses parents adorent les masques. Because his parents worshipped masks. Et, ou bien la personne même adoré les masques. Or the person. Sors et va-t'en. Out and be gone. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. It's Jesus who is God. It's Jesus who is God. Les masques ne sont rien. Les masques ne sont rien. Masquerades are nothing. They are nothing. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Nous brisons le joug des masques. We break the yoke of masks. We break the yoke of masks. Réduisons les pratiques en poussière. We bring their practices la to dust. La poussière, la poussière. To dust, to dust. Nous chassons toutes les malédictions. We cast out all the curses. Attachées à ce culte. Tied to that worship. Tous les démons.
every demon qui sont venus who came in à travers les pratiques du combien, through the practice of combien, du combien, combien. Va-t'en vite. Go on quickly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Esprit de combien? Spirits of combien? Et tous les esprits de mort qui dépendent du combien? And every spirit of death which does not come from combien? Si tu es un esprit de mort, if you are the spirit of a dead one, qui a dansé le combien, ou qui a pratiqué le combien, who practice combien, qui a réussi à entrer dans un corps, who succeeded to get into a body, je te chasse maintenant. I cast you out now. Va-t'en vite. Be gone quickly. Je l'arrache de tes mains. I snatch him from your hands. Va-t'en. Be gone. Esprit de mort. Spirit of death. Derrière le combien. Behind combien. Esprit de mort derrière les adorateurs du combien. Spirit of death behind the worshippers of combien. Sors maintenant. Out now. Va-t'en vite. Be gone quickly. Brisons ton pouvoir. Break your power. Tu pars et tu ne laisses aucune maladie. Tu ne voles rien. You leave and you leave no sickness and you steal nothing. Si tu viens des mers ou des lagunes, if you come from the sea or from the lagoon, et tu refuses de partir, and you refuse to go, va maintenant. Out now. Si on a pratiqué sur des objets, if you use objects to carry out practices, qui te représente, objects that represent you, et qu'on a jeté au serpent ou bien dans l'eau, and it was thrown to the snakes or into the water, pour représenter ton âme dans le sein du serpent, to represent your soul in the belly of the serpent, je déclare que tu es libre. Declare that you are free. Que Jésus t'a libéré. That Jesus has set you free. Je chasse tous les démons. I cast out all demons qui t'ont poursuivi. That have followed you. Si un reptile a avalé tes biens, qu'il les vomisse. If a reptile, pour que son ventre soit fendu, has swallowed your wealth, let him vomit it. Or may his belly be torn open. Si tu es un démon, if you are a demon, de maladie, of illness, d'une maladie spécifique, of a specific illness, toi-même tu sais que tu es venu pour entretenir la maladie. You know that you came to keep that sickness. Et tu ne veux même pas partir. And you don't even want to parce leave. Que tu te nourris de la maladie. Because you feed on the sickness. Parce que tu te nourris de la maladie. Because you feed on the sickness. Tu es jugé. You're judged. Va-t'en. Be gone. Et que la guérison soit totale. And may the healing be total. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Si Jésus délivre. So Jesus delivers. Jésus libère. Jesus sets free. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus pardonne. Jesus forgives. Si tu as présenté une maladie à Jésus, crois que tu es guéri. If you presented any sickness to Jesus, believe that you're healed. Tiens-toi sur sa parole. Stand on his promise. Par on his word. By his stripes, nous sommes guéris. We are healed. Par ses maîtrisures. By his stripes, nous sommes guéris. We are healed.